Ok les amis, c'est vendredi. Vendredi. Vendredi, C'est vendredi, on va journée oui, journée c'est vendredi. cocooning aujourd'hui. Enfin Est-ce pas que je vais pas faire un cocooning petit mais jingle comme ça à chaque fois? je Petit pense que jingle non. chanté. Je pense que non, je pense que c'est pas utile. Bon, il fait pas super beau aujourd'hui, on dirait qu'il fait très lumineux là, c'est. Ah merci, notre appareil photo est Merci l'appareil magnifique. photo. Non, il ne fait pas super beau aujourd'hui malheureusement. J'ai décidé aujourd'hui de rester en peignoir toute la journée. I will stay in my Wardrobe. Non, je sais plus What in comment my dire. peignoir all day long, Ouais. ok? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Elle a dit école, Ah école. bah ça veut Donc dire elle est qu'elle est d'accord. d'accord. Elle est d'accord avec ça. Peignoir toute la journée, d'accord. Comme ça on va kiffer quoi. Ouais, moi je resterai pas en Et vous peignoir. aussi vous allez kiffer parce que vous kiffez mon peignoir. Faut que je me lave les cheveux. On va faire une petite question du jour. Ah, bonjour. Et ouais, on s'est dit qu'on allait faire une question du jour dès le matin comme ça. Comme ça au moins c'est fait. On l'a fait. Notre Non, Béa. mais ça veut pas dire qu'on n'aime pas répondre à vos questions. Non. C'est Non. juste que des fois on oublie. Parce que des fois on oublie effectivement, et là on Oui. s'est dit, hey, on n'a jamais fait en introduction, C'est vrai. et là Avant hop, même le petit-déj. originalité. Donc on répond à une question de Sonia, qui nous pose, qui commente souvent nos vlogs, qui regarde depuis très longtemps. Et là c'est une question qui tourne autour de l'eau, autour de la peau, autour du calcaire, Autour du de la calcaire peau et du sèche, filtre de etc. calcaire. Elle nous demande, est-ce que le filtre anti-calcaire que vous aviez installé il y a très Quelques longtemps, mois, non, quelques mois. quelques mois, oui, En plusieurs mois, été. fonctionne toujours. Est-ce que vous pouvez nous faire un retour plusieurs mois après? Est-ce que c'est utile? Parce que sachez donc que chez nous, l'eau est très dure et ça nous assèche énormément la peau, surtout moi. Non, mais moi aussi. Toi, Moi, ça t'assèche un peu ça le cuir m'assèche le chevelu. cuir chevelu beaucoup, surtout. Ouais, c'est Ouais. vrai. Encore plus le cuir chevelu et les Et cheveux. on en avait marre. Et c'est vrai que ça faisait des traces de calcaire, on va ne plus Et finir. à un moment donné, je me suis dit, tu sais quoi, je vais chercher la solution à ça et je vais chercher un filtre anti-calcaire et je vais l'installer parce que j'en peux plus. Et du coup, au moins dans la douche, en fait, je m'étais dit, il faut qu'on ait un truc, voilà, pour que du coup l'eau qui sort du pommeau de douche soit sans Là, calcaire. exactement. Donc j'ai installé ça et ça fait plusieurs mois maintenant, donc on l'utilise et il marche toujours aussi bien, il filtre très bien. Peut-être qu'il marche quand même un peu moins bien qu'au début. De C'est possible, mais c'est toute façon, il difficile à faut dire. changer Il faut le le il la. faut qu'on le tourne tous les 6 mois. Il y a un truc comme ça, une espèce de truc à faire. De toute façon, à un moment C'est une donné. manipulation, il faut pas acheter un autre tout de suite. Ouais, mais à un moment donné, voilà, quand tu installes un filtre, il faut quand même penser à changer, à Un faire des filtre, ça trucs. se nettoie ou ça se Voilà, change. exact, exact. Donc oui, là je Il pense faudrait qu'il faut peut-être qu'on qu'on s'en occupe change, là. parce que ça fait 6 mois, il faut qu'on change le sens du filtre. Donc faut que je m'en occupe. Mais franchement, il fonctionne toujours aussi bien. Je remarque que ma peau, elle est beaucoup moins sèche qu'avant. Ouais, c'est vrai. Surtout mon cuir chevelu, parce que j'avais vraiment des problèmes de peau très sèche au niveau du cuir chevelu, que ça me démangeait et tout. Là, ça va vraiment beaucoup mieux. Mes cheveux, c'est pareil, ils sont beaucoup moins asséchés. On le voit aussi dans la baignoire qu'il y a plus ces dépôts Il n'y a plus du de tout. calcaire Il en n'y a plus fait du dans la tout de dépôt. baignoire. Ouais. Et On aurait dû l'installer dès le début quand on c'est est arrivé, ça, quoi. Parce c'est que ça. franchement, là, on a des traces de calcaire au Ouais. mur, mais c'est irrattrapable. Moi, j'ai envie de Non, mais il déchirer les murs. faudrait qu'on prenne un citron, tu sais, Non, et mais c'est qu'on. irrattrapable. J'ai acheté plein de produits Oui, différents. bébé. Après, si vous êtes très forte en ménage, vous avez le droit en commentaire de nous dire votre vraiment l'astuce qui marche pour enlever les traces de calcaire incrustées. Ne Mais dites le pas truc. vinaigre parce que ça fonctionne pas. Non, mais en fait, ce qui est compliqué, Je suis c'est sûr que que le citron, il marche pas non notre plus. mur dans la salle de bain, dans la douche, C'est pas du carrelage. c'est pas du carrelage, c'est une surface spéciale douche. Et je sais pas comment la nettoyer, c'est très bien. Et d'ailleurs, pour revenir sur cette histoire de filtre, on a installé aussi un pommeau de douche Qui économise qui l'eau. économise l'eau. Donc, qu'est-ce que tu m'emmènes? Je te fais bouger un peu parce que la lumière me dérange. Voilà, on est bien D'accord. mieux comme ça. Là, Donc, tu es oui. moins blanche. D'accord, j'ai installé un pommeau de douche qui a un débit qui est beaucoup moins fort et donc ça permet d'économiser de l'eau. Au début, j'étais un peu sceptique parce que la première fois que je l'ai utilisé, en fait, le débit me semblait pas moins fort en fait. J'ai l'impression que l'eau sort tout aussi vite, j'ai pas l'impression qu'il y a peu de pression. Un esprit a ouvert la porte. J'ai pas l'impression qu'il y a peu de pression. Ouais. Et en fait, si, c'est il y a l'eau sort beaucoup moins vite parce que quand je Ah, remplis ça la fait beaucoup baignoire d'économies, d'Elena, ça. Ouais, ça fait. ça prend 3 plombs. Alors qu'avant, c'était. C'est un super Ça, c'est un très investissement. bon investissement, Ouais. on Et est très donc, le content. filtre, on est content aussi. Donc, voilà, Donc, oui, on vous Desonia, recommande pour ta si c'est quelque question. chose que vous avez envie d'installer chez vous pour économiser l'eau ou pour lutter contre le calcaire. N'oubliez pas donc de nous donner vos astuces anti-calcaire, mais les vraies astuces s'il vous plaît. Et ne donnez pas que des astuces naturelles, hein. Vous pouvez nous dire, allez acheter tel produit, Monsieur Propre, tête chauve, etc. Et ça fonctionne très bien, vous l'utilisez depuis 10 ans, Silic Enfin, un Bank truc qui ou un fonctionne. truc franchement que mais les traces de calcaire, elles disparaissent.
Voilà, ça c'est toujours pas trouvé. Et sachez qu'on a installé aussi un filtre anti-calcaire sur le robinet de notre cuisine. Oui. Et là pareil, c'est aussi très efficace. C'est très bien. On peut le mettre soit en position filtrée ou non filtrée, donc mais on boit de l'eau filtrée. Un peu moins efficace que celui de la salle de bain. Oui, mais c'est parce que c'est pas, pas le même budget. Et on vous mettra les liens en barre. Mais il est quand même bien efficace puisque quand on fait bouillir l'eau dans la bouilloire, on a toujours pas nettoyé le calcaire depuis qu'on l'a installé. Aïe, ouille, ma fille. Et ma fille, qu'est-ce que tu fais? Et en fait, il y en a très très peu, donc ça fonctionne très bien. Elle tape merci la porte, la poignée de la porte dans mon dos, c'est très agréable. Nous allons prendre notre petit déj et notre petite douche. C'est ça. Le petit déj est pris depuis bien longtemps. La et douche, comme vous pouvez la douche voir, aussi. Oui, et le déjeuner approche. Et comme vous pouvez le voir, Babou est toujours en peignoir. On ne sait pas pourquoi. Moi, je suis habillée, j'ai eu le temps de me laver les cheveux. J'ai envie de passer la journée comme ça, tu vois. Je me dis, c'est pas parce que t'es en peignoir que tu peux pas être productif. Donc, j'ai jamais passé une journée entière en peignoir. Pourquoi pas essayer hein? Mais ça veut pas dire que je vais rester sur le canapé. Hein. Non, non, là, il bosse depuis ce matin. Et l'ordi, il s'éteint, c'est normal. Non, non, il est en veille. Ah, d'accord, j'ai eu peur. J'ai cru que c'était éteint tout seul. Et comme j'ai vu Elena passer, je me suis dit, oula, qu'est-ce qu'elle a fait? Et Biboule, elle est en train de cuisiner un truc. C'est une recette Pitoc, donc c'est des frites de légumes. Ouais. Des galettes de quoi? De lentilles, je ne sais, sais pas c'est à quoi. C'est des galettes qui sont toutes faites. Hein, oui, c'est les galettes VG. VG, mais le plus intéressant, c'est la sauce au maroilles. Voilà, donc c'est parti. Bon, on commence à avancer cette sauce magique de Ch'tiland. Ça avance plutôt pas mal. J'ai les doigts qui puent le fromage. Ah. Je vais me laver les mains. Ah, mais t'es dégueulasse, pourquoi t'as fait ça? Mais c'était pour te faire sentir le ch'ti. Mais t'es pas obligé de toucher mon nez. Mais si, comme ça l'odeur reste. Mais c'est pas le ch'ti, c'est le maroilles. Le maroilles. C'est pas ça, les pauvres ch'ti après. Bon. Sors du four, toi. Ça pue, c'est dégueulasse. Oui. Il pue beaucoup plus que celui qu'on a mangé hier, celui-là. Ouais, c'est vrai. On va faire la miniature de notre vidéo des indispensables bébés, mais avant ça, il fallait absolument que je vous montre le détail qui tue. Voilà, voilà, je voulais vous montrer absolument la dégaine de mon mari. Voilà. DSK fait partie de ma vie au quotidien maintenant. Je comprends pas pourquoi tu trouves ça moche. Hein, Bibou, à chaque fois qu'elle me filme, Bibou, on voit pas ma tête. Mais on voit ta tête, regarde. On peut pas voir ma tête là, c'est impossible. Non mais là tu viens de monter, tu te fous de moi. Mais non, je monte pas. Mais là on voit pas ma tête. Là on voit pas ma tête. On voit ta tête. Je suis sûr que ça coupe là. Non, plus haut. Non. Plus haut. Je te crois pas, impossible. Donc là je suis en train de choisir un t-shirt. Je sais pas si on met deux t-shirts parce qu'on va faire deux miniatures mais pour les mêmes vidéos. Est-ce qu'on change de t-shirt ou pas? Je sais pas. Allez, habille-toi. Mais est-ce qu'on change de t-shirt ou pas? Je sais pas, on réfléchira après. Mais je te demande là. Allez, mets le même. Voilà. Oh là là. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne dois pas jouer dedans, Elena. Hein? Voilà, fais-moi un câlin plutôt. Trop drôle. N'emmène pas dans la poubelle. Bon, ouais, du coup, j'ai enlevé mon peignoir. Hein. Donc, on a fait la petite miniature. J'ai enlevé mon peignoir, j'ai mis un t-shirt. Et j'ai mis un pantalon aussi. Bon, de toute façon, il faut bien que j'aille sortir papy, voir le courrier et tutti quanti. Et il y a un incendie pas loin de chez nous, là. On va pas vous le filmer pour des raisons de vie privée de certaines de nos voisinages. Mais ouais, c'est assez gros. C'est assez gros. Mais là, les pompiers sont là. Voilà, ça nous fait un petit spectacle. J'espère que ce sera pas grave. Et qu'il y aura juste des arbres brûlés, pas rien d'autre. C'est déjà éteint. Ah, c'est déjà éteint. Ah bah donc, ils sont étaient rapides. Ils sont arrivés il y a 2 minutes. Non, il y a encore de la fumée quand même. Ouais, mais... Ouais, ça a été assez vite. Ouais. 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 Ah, on voit, c'est tout noir dans le jardin. Ouais, le jardin est noir. La maison n'a pas brûlé apparemment. Que le jardin. Ouais, bravo. Encore? Ouais, quel talent. Fais avec les deux mains. Qu'est-ce qu'elle est douée. Quel sens du rythme. Tu chantes en même temps. Oh là là. Et après tu vas taper dedans, tu vas le faire tomber. Bim. Voilà. Regarde dessus. Elle est douée, n'est-ce pas hein?
En tout cas, elle met beaucoup d'ambiance dans notre foyer. Vous voyez? Aujourd'hui, on n'est pas sorti, on est resté à la maison, on a beaucoup travaillé. Mais Elena était là pour mettre l'ambiance, tu vois. Là, elle est là, elle va faire tomber le linge. Attention. Attention. Non, non, parce que l'autre côté, il est accroché. Ah, d'accord. Je te vois, ma fille. Je te vois, je t'observe, là. Tout à l'heure, elle a tout fait, le linge tombé par terre. Pff, mais elle est mignonne, quand même. Ah, t'as fini? Oui. Bibou est en train de tricoter, les amis. Un nouveau truc, elle ne s'arrête jamais. Autant des fois, là, tu tricotais pas. C'est vrai, ça, autant, m'a, là, ça m'a repris. Et là, pour tout vous dire, je tricote trois trucs en même temps. C'est un truc de fou. Et là, ce soir, j'ai tricoté les trois trucs. Et t'es beaucoup plus rapide. C'est vrai. Je tricote plus vite. Bah, forcément, hein, plus tu tricotes, mieux tu tricotes. Plus tu tricotes vite. Franchement, bravo. Merci. Respect. Merci. Respect. Merci. Bon, les amis. J'ai mal au dos. Ici s'achève. Ce blog. Merci d'avoir regardé. Attends. C'est... Ne force pas sur les abdos. Attention. Non, je force pas sur les abdos. C'est déconseillé. Étant enceinte, faire attention. Ouais. Bon les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Vidéo. On vous dit merci parce que c'est important. Oui. De vous dire merci. Nous, on va aller dormir. Oui. Ce soir, il y avait un match de foot en fond sonore, tu vois. Un match de foot et un match de rugby. Il n'y avait pas Koh-Lanta, voilà, il y avait une petite zapette entre deux matchs. Et là, on va se coucher. Excusez-moi. T'es fatigué, toi? Un peu. Ça se voit. Bah, dis donc. Bon, ben, on verra demain comment ce sera. Ben, ce sera très bien demain. Aujourd'hui, j'aurais dormi. Aujourd'hui, vous avez remarqué, c'était journée 100% maison. Hein. Ouais. Mais là, vraiment 100% de 100%. Et quoi. Il faisait froid, il faisait pas beau. Ah ouais. Demain, on bouge, on va faire un petit tour. J'espère qu'il fera beau. Hein. Ouais. Bon, vous verrez ça demain. Okay. Oui, vous verrez ça demain. À demain, les amis. Pour un nouveau vlog. Ciao, ciao. Ciao, ciao.